la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo plutôt incroyable, les amis. Je suis avec Yacine et Myriam. Yo! Et on a eu les 2 millions d'abonnés sur YouTube. En plus, aujourd'hui, les il a dit il va tout ralas. Non! Incroyable! Non, j'ai pas dit ça. Si? Non, j'ai pas dit ça, les gars. Si? Non, 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 c'est pas un Yes Man Challenge. Mais alors, on a eu 2 millions si tu dois nous faire des cadeaux. Bah les gars, oui, on a des cadeaux. Dès à présent, mettez un like, abonnez-vous, ça va être incroyable. On aura des cadeaux de fou. Comment ça? Comment je vais vous arroser? Je paye pas. Si. On a dit, on fait une vidéo de bonheur. 2 millions. Mais c'est pas. C'est parti! Ah Inès, vu qu'on a les 2 millions d'abonnés, c'est dur, on a 2 millions d'euros. Qu'est-ce que tu racontes? On n'a pas 2 millions d'euros, ça veut juste dire que des gens se sont abonnés à nous. Mais si, t'as 2 millions d'euros du coup. Mais elle croit trop, mais elle est malade. Oh, tu regarde comment je suis habillée. Est-ce que tu vois du Louis Vuitton? Il y a que du Nike. C'est pas forcément du Louis Vuitton quand t'as 2 millions d'euros. Qu'est-ce qu'elle raconte? En gros, aujourd'hui, on va pouvoir se régaler la famille vu qu'on a eu les 2 millions d'abonnés. On va aller dans les magasins, on va pouvoir acheter ce qu'on veut. Younes, il va payer. Moi, ça je vais à la grande récré, toi tu vas aller où? Tu vas aller où? Tu vas à la Nike? La grande récré. Mais toi tu vas à la Nike? Ah non, on va pas à la grande récré. Toi, tu vas à la Nike? Non, on va dans un magasin de football. Les gars, on se rend pas compte, hein, mais 2 millions d'abonnés, c'est une dinguerie, c'est énorme. Là, tu sais, ils sont remplis 2 millions de personnes dans tout ça là. Je crois qu'on peut pas, en fait, il y a pas assez de place. C'est vraiment dingue. Vous faisiez quoi quand j'étais pas né? J'avoue, quand t'étais pas né, on avait commencé les vidéos, elle était même pas là. Des vidéos sur Call of Duty, c'était incroyable. On jouait, moi et Younes, on était grave fort. J'étais un poisson pané. T'étais pas né? J'étais pas né comme un poisson pané. Yo les gars, bienvenue sur la Cause Family. J'espère que vous allez la patate. Salut à tous, j'espère aussi que vous allez bien. Ouais, ça va tranquille. Regardez les camouflages, les gars. C'est pas mal. Camouflage diamant. Et oui, les gars. On s'est pas laissé de pas trop crier parce qu'il y a Myriam qui dort. Donc là, elle est sur Fringe avec la ICR1. J'ai pas de shoot Dratica hein, pour ça. Juan. Il joue à quoi, lui? Tu en as un. Hein. Enfin, un bon petit score pour l'instant. Je suis fatigué. Allez, peace les gars. Et après, on est monté petit à petit, on a commencé à faire des vidéos IRL. Franchement, c'était une dinguerie. C'est bien beau les vidéos, mais là, je vais aller à Nike dans mon endroit préféré. Et je vais moi aussi m'acheter des cadeaux pendant cette vidéo. Il n'y a pas que vous. Quand tu me regardes comme ça, c'est moi aussi, j'ai eu les 2 millions. C'est que vous. J'ai pas le droit d'acheter de cadeaux, genre. Bah, t'as le droit d'acheter des cadeaux, mais qu'est-ce que tu m'achètes à la grande récré? Ok, on ira à la grande récré après. Mais d'abord, on va à Nike. Ouf, il y a vraiment. Mais regret, quoi pour toi? Mais il y a même pas de logo, Myriam. Les gars, comment tu peux vendre un maillot de Paris sans logo? Normalement, ça devrait coûter 5 euros. Après, tu floques 2 millions. Ah ouais, oh! Je floque 2 millions d'abonnés ici, là. Ah, mais tu peux me floquer à Nike. Ah, mais ça pourrait être une vraie. Non, ça, par contre, t'as une vraie idée. Je sais pas si c'est possible, mais en vrai, attends, on va faire un petit tour tranquille. Mais elle a une vraie idée. On va regarder à quoi comme habit en vrai. On va commencer par ça, les amis, parce que, écoute-moi, si pendant toutes ces années, 2 millions d'abonnés, j'ai réussi à rester bien, c'est que je fais beaucoup de sport. Ça sert à quoi, ça? En fait, ça sert à mettre son portable, écouter du Coran ou quoi, et le mettre ici, là. Et ça coûte 2,95€. C'est bénéf. C'est pour voir. Ah non, ça coûte pas 2 euros, ça coûte 17 euros. Et c'est pour voir combien de trucs tu dépenses, regarde. Ah, mais c'est pas grave, j'en ai besoin pour courir et tout. Donc, premier cadeau pour moi, les gars, vous allez voir, il y aura plein de cadeaux dans cette vidéo. Allez, je te trouve un trop beau bonnet. Oh, merci, ma soeur. C'est les bonnets comme en prison. Tu veux. Fout ta cagoule. Attendez, c'est quoi le logo? Ah, il y a un logo Jordan en or. Mais en vrai, ça pourrait être bien pour toi pour l'école. En vrai, regardez, essaye. Non, bah, je prends le gris alors. Vas-y, essaye. Essaye-le, Myriam, je te jure, ça pourrait être bien. Ça coûte 23 euros. Mais il est trop beau. Mais pourquoi tu rigoles? Les gars, elle a aucun style. Regardez. T'aimes pas? Vas-y, j'aurais kiffé, elle achète ça à 20 euros, comme ça je suis tranquille. Là, j'aime trop cette paire de baskets. En plus, c'est ma taille. 38, c'est ma taille. Donc attends, là on est venu, j'ai acheté ça à 17 euros et ça y est, c'est fini pour moi. On va directement dans tes baskets. Bah oui. Mais Myriam, c'est claqué au sol. Claqué. Moi, je préfère ça, les moumouflons. Hein? Non, elles sont trop belles. En plus, mes baskets, elles sont en train de se craquer. C'est quoi, si tu devines le prix de celle-là, je te prends celle que tu veux. Ok. Je vais regarder le prix. Ok, les gars, venez voir, je vous dis le prix. Attends, je vous dis le prix. Retourne-toi, s'il te plaît. 159,99. J'ai entendu. 154,99. C'est même pas ça. Vas-y, j'en prends une autre, s'il te plaît. C'est bon, on a le prix. 3, 2, 1, c'est parti. 110 euros. C'est moins. 100 euros. C'est moins. 98 euros. C'est moins. 94. C'est plus. 95. C'est moins. 94,30. C'est plus. 94,35. C'est trop tard. C'était 94,99. C'est trop tard. Pas de basket pour toi. Non, les gars, c'est trop. J'étais sur les 94. Moi, je pensais que c'était 95 et quelques centimes. Là, la famille, au magasin, on a rencontré des abonnés. Est-ce que vous pouvez dire votre prénom? Ayoub, moi je m'appelle Ayoub. Moi je m'appelle Digo. Moi je m'appelle Eni. Je m'appelle Jibril. Ok, est-ce que vous suivez les vidéos un peu? Ouais. Vous suivez depuis quand? Depuis un an. Là les gars, on a eu 2 millions d'abonnés. J'aimerais savoir c'est quoi ta vidéo que t'as le plus kiffé? Moi c'est quand vous faisiez des city et vous faisiez gagner des cadeaux. Ok, ouais, quand on a fait les cadeaux avec les abonnés. Il est malin comme ça. En plus on a un Nike et ça veut dire il... Non, franchement c'est des bonnes vidéos. Et toi c'est quoi la vidéo que t'as le plus kiffé? La même. On regarde tout le temps ensemble, on est des frères. Et petite dernière question pour les deux frérots. Qui fait les plus gros crocs de la Cote Familia? Moi. Toi tu sais pas? Toi.
Merci les gars, la vérité sort de la bouche des frérots. Merci beaucoup les gars, en tout cas ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Et prenez soin de vous les mecs. On vient de finir le magasin, Myriam il s'est passé des dingueries. Déjà j'ai pas dépensé beaucoup, j'ai pris que le brassard, je le mettrai après, vous allez voir. On a rencontré des abonnés et il y a le vigile qui vient nous voir, il nous dit quoi? Les gars, c'est interdit de filmer. Vous savez ce que je lui ai répondu? Je lui ai dit, j'ai le droit, j'ai demandé. Et il a essayé de demander à ses collègues, personne n'a répondu, du coup on nous a laissé filmer. Ouais. Maintenant, on continue, on va régaler un peu Yacine. Là on est arrivé au magasin de jouets. En vrai, de vraiment les jouets en vrai que j'ai envie de prendre pour les 2 millions d'abonnés, en vrai c'est des jouets Fortnite et trucs comme ça. Vous savez, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à l'arc Fortnite sur la Code Familia quand on faisait des vidéos avec Omar où il faisait un kill, un croc, il faisait un kill, 20 000 V-Bucks, c'était incroyable. Cet arc, toi t'as connu ça ou pas? Bah Omar Prime avec les cheveux longs. Oh, il était trop fort à Fortnite à l'époque du chapitre 1, c'était trop bien. Yo la famille, j'espère que vous avez bien une nouvelle vidéo avec Omar. Donc là ça va être une vidéo. Un kill, un croc, mais le croc donc je dois faire un kill, je suis obligé de faire un kill. T'as le droit de faire un croc d'échauffement, vas-y. Par contre s'il est archi nul, le taco je le bouffe. C'est dard. C'est parti, j'ai la dalle. Premier kill. Je sais pas qu'est-ce que je veux faire là, j'ai la dalle. Je vais mettre de l'autre côté après pour vous filmer. Yes les gars, y'a un coffre. Oui. Tu vas pas le manger, ça sert à rien de sourire. Il est en train de me regarder avec tout sourire là. Eh, hey, ça se voit ta faim frère, comment tu créardes là? Franchement t'as fait une super belle game, tu les as bien mérité, j'avoue t'as fait grave des kills. Justement je vais acheter des jouets Fortnite, comme ça on se remémore cette époque. Ok vas-y bon dessus. Là les gars je viens de découvrir des gens qui nous espionnent, ils sont grave pas cramés, viens suis-moi, suis-moi. On va faire le tour par là, vous allez voir. En mode ils ont peur de venir nous parler parce que Younes en fait avec sa tête il fait peur aux gens. Tu sais il a une tête comme ça. Et du coup ils ont grave peur, venez, venez, venez. C'est à dire en gros c'est des abonnés, ils font genre ils sont comme ça, en train de choisir des trucs. En même temps ils nous espionnent comme ça tu vois. C'est eux, ils font ça, c'est eux. Filme discrètement Younes, ils sont du côté droit là, tout au fond. Regarde, filme discrètement, viens Myriam. Ah ouais. À droite Younes, à ta droite, normalement vous les voyez au fond. Tu les as vus ou pas? Non, en vrai on va aller les voir ou pas? Vas-y viens Myriam, on va aller les voir. Bonjour, excusez-moi, excusez-moi de vous déranger. C'est vous la Code Familia? Oui ou non? C'est vous? Non c'est vous. C'est vous. Tu t'appelles comment? Alou. Et toi? Ryan. Ça va, vous allez bien? Salut. Vous nous avez reconnus? Oui. Vous avez vu depuis tout à l'heure? Vous êtes comme ça, vous faites genre les techniques. Comme ça, vous êtes... On vous voit depuis tout à l'heure, les gars. Pourquoi venez pas nous voir? C'est lui, vous... dites la vérité, c'est Younes, il vous fait peur. Ah non. Il a une tête de méchant, Younes. Bon, les gars, est-ce que vous avez une dédicace à passer ou pas? Il fallait être là. Hein. Voilà, fallait être là, les gars. Ils ont tout dit. Bon, les gars, nous, on vous laisse. Passez une bonne journée, salam. Là, en vrai, de vrai, si je trouve pas Fortnite, j'achète du slime. Hein. Myriam, elle s'en fiche des abonnés. Elle voit des abonnés, elle pense à son slime, à ses trucs. Toi, t'es une requin. T'as vu ça? C'est toi, ça. Là, c'est Myriam. Ouais, bah toi, le gang des requins. Ouais, bah toi, t'es lui. Voilà, okay. J'en ai marre de tes jouets des enfants. Tu vas voir, nous, quand on était petits, c'était quoi? Nous, quand on était petits, c'était ça. Ça se réglait en duel Toupie Beyblade. Allez, on prend ça, c'est parti. Tu vas voir à la maison, on va faire un 1v1. Mais je sais pas jouer au Toupie Beyblade. Si, tu sais jouer, pourquoi tu sais mais pas là, jouer? Mais là, je sais pas jouer. Ça, c'est... Ah, c'était incroyable, la bonne époque, les gars, les Toupie Beyblade. Comment on fait pour jouer? Je vais t'apprendre, t'inquiète pas. On se retrouve à la maison. Ah, les gars, j'ai trouvé ce que je voulais depuis grave longtemps, des mini-verses. Nouvelle génération, c'est catastrophique dans les jouets. Hein. Mais non, mais j'aime trop. Qu'est-ce les... que c'est que ça encore? Mais c'est trop bien, c'est de la. C'est vraiment un truc pour Younes. Ok, bah regarde, on va à la maison. Quoi? Je vais t'acheter des sandwichs, tu vas nous faire des burgers pour ce soir, c'est bon? Non. Bah si, parce qu'elle aime bien faire des hamburgers. Bah, mais c'est non, mais en vrai. Des hamburgers. D'ailleurs, ça me rappelle, les gars, les dégustations sur la Code Familia, c'était incroyable. Aujourd'hui, je suis avec Sofiane. Issa et Nassim. Donc aujourd'hui, on va tester le méga giant qui vient de sortir il y a pas longtemps. Préparez 1000, ça fait au calme. Toute la semaine, on mange du riz. Le méga giant. C'est un peu extraterrestre dans notre famille. Mais comment il s'appelle celui-là, Sofiane? Pas trop steak. Sofiane, il s'appelle comment celui-là? Bah, celui-là, c'est le Supreme Chicken Barbecue. Supreme Chicken Barbecue. Bismillah. Ah ouais, c'est lourd. Magnifique. My onions. Un vrai croc. Oh lolo. Il l'a terminé en deux crocs. C'est quoi, c'est de l'herbe? Un bon croc, et Code Familia Junior. C'est magnifique, parce qu'il y avait déjà, il y avait plein de gens qui sont pris Junior et tout, il y a plein de tryhard de Giant. Ça. Franchement, régale-toi frère, régale-toi. Toi, tout le temps, t'as la sauce sur le côté, toi. Hein. Mm-hmm. Allez, Anne-Sophie. Du repos. Comme on a dit. Je m'en souviens, avant, vous étiez toi quand t'étais pas né, on tapait des pizzas margarita. Oh là là, des tacos, c'était la vraie période. Mais c'est grave ça, les univers. Les gars, vu que c'est les 2 millions, en vrai, je pense que je vais essayer de gratter un petit vélo. Hein. Tu vas rien gratter du tout, mon frère. Il t'est mal épris, frère. J'ai dit un cadeau tranquille. Prends des gants. T'as vu là-bas, il y a des gants pour l'hiver. Oh, gars, pas rat, mais... Regarde le vélo. Attends, je vais l'essayer. Tu vois bien dedans, genre. Bah oui. Avec le petit panier comme les vieilles grand-mères. Tu mettrais quoi dans le panier, ton sac à dos? Dans le panier, je mettrais quoi? Dans le panier, en vrai, je mettrais de la bouffe. Hein. En vrai, tu me bats pierre feuille ciseaux, je te le prends pas. T'es prête? Je t'ai dit, tu me bats pierre feuille ciseaux, je te le prends pas. J'ai trop la... Il coûte combien en vrai? Il coûte 66 euros. 66, c'est tout? Bah, allez, on le prend. On le prend? Bah, 66 euros, c'est donné, viens, on le prend, on le revend. Vas-y. Où tu vois 66, je peux regarder s'il te plaît? Je peux voir l'étiquette. 9,99€. Non, mais c'est incroyable. Prends. Regarde, 9 euros. 9 euros. Attends, il y a vraiment marqué. Non, je crois que c'est plutôt 999 euros, Myriam. Non, c'est 9 euros. 9,99€, c'est-à-dire 10 euros le vélo. C'est vraiment bizarre les mecs, c'est un vélo en plastique, c'est un vélo de Wish, c'est quoi ce délire? Je sais pas.
Bon bah je suis désolé mais je pense qu'il rentrera pas dans la voiture donc on pourra pas le prendre. Bah, c'est pas grave, je rentre à vélo. On est avec Ali, on l'a rencontré sur la route. Ali, on a atteint les 2 millions d'abonnés sur la chaîne YouTube. C'est très bien. Est-ce que t'as un petit message pour tous les abonnés qui regardent la chaîne? Abonnez-vous et continuez à regarder leurs vidéos. Ok, merci beaucoup Ali, ça fait trop plaisir. Yeah. Ça m'a donné vraiment faim cette histoire. On a fait plein de rencontres abonnés donc en vrai ça m'a donné grave faim. Donc là en vrai c'est le moment de se prendre un Uber Eats pour fêter les 2 millions d'abonnés. Mais je crois que c'était le Ramadan aujourd'hui. Si on paye des cadeaux, on peut pas payer de la bouffe. Bah si. Toi si, tu crois en frais? Mais tu c'est les 2 millions d'euros. C'est ça qui m'énerve avec elle, croit c'est 2 millions d'euros. Bah si, c'est les 2 millions d'euros, en fait ça. Je viens de recevoir un message d'un abonné, il m'a dit salut la Côte Familiale, j'espère que vous allez bien. Je vous envoie ce message pour savoir ce que vous pensez de l'OMAD, un repas par jour. Merci à vous, je vous suis depuis 7 ans, vous êtes les meilleurs, lâchez pas. Mamadou Camara. Myriam, qu'est-ce que t'as à lui dire de l'OMAD, manger qu'un seul repas par jour? Manger qu'un seul repas par jour, il tiendrait pas, moi je tiendrais pas, personne tiendrait. Tu conseilles pas? Je te conseille pas, ça... après tu peux te développer tes nouveaux problèmes de santé et tout. Ok. Voilà, c'est ça les Toupies Beyblade. Elle connaît pas. Ça, c'est mon enfant, je suis trop content les gars, j'ai des frissons. Ça, quand j'allais à l'école, je mettais des toupies comme ça, et c'était une dinguerie la famille. Et d'ailleurs, on est passé à la télé sur Canal+, je sais pas si vous vous rendez compte, la Côte Familiale à la télé. La famille, aujourd'hui, on a une énorme nouvelle à vous annoncer, on va passer à la télévision pour la première fois de notre vie. Donc Myriam, on passe sur quelle chaîne? Canal+. On a été invité à une émission et on a parlé de la chaîne YouTube, de plein de trucs. Mais là, c'est pas à vous, c'est vous là, dans 10 ans? Non, c'est pas maintenant, ça passe dans 5 minutes, là, dans 5 minutes ça commence, à 30, donc là, la famille, on va vous emmener avec nous, vous allez voir, c'est incroyable. Myriam, t'auras pas trop la honte? Myriam, t'auras pas trop la honte que tout le monde va te voir? Ah non, mais elle était pas là. C'était que moi, Younes et Issa. Ils sont en train de filmer, regardez les gars. Un coup de tête, vraiment. Et on s'est dit, on est toute une famille à faire des vidéos, donc Code Familia. Ok, on a commencé. Ils sont à fond dedans. Incroyable, les gars. Et ça fait combien de temps ça? Les gars, c'est une dinguerie, on est à la télé, wesh! Regardez, on est à Canal+. Là, c'est moi, c'est Aïssa, c'est Yacine. Nous recevons les membres de la Code Familia. Que c'est nous? Les membres de Foot Familia, une chaîne dédiée au foot. Bonjour à vous trois. Bonjour. Les gars, c'est une dinguerie, je crois que c'était pas vrai. Les gars, là, je vais montrer mon talent de footballeur à la télé, regardez. Yacine et Younes en match 13, ceux qui ont vu cette série, c'est une dinguerie. Regardez, ça, c'est moi, l'entraînement, je passe à la télé, c'est une dinguerie. J'ai fait un su à la télé. Ah si, bon, ils vont remettre mon but. Là, c'est la passe de Yacine et je marque. Là, c'est trop une dinguerie, les gars. Regarde, Toupie Beyblade, en vrai, ça a l'air vraiment d'être bien. Wesh, il a cassé sa Beyblade. Oh la dinguerie. Et les gars, les 2 millions d'abonnés, c'est vraiment la meilleure journée. En vrai, les gars, des Toupie Beyblade, moi, je pense la plus forte, en vrai, c'est la rouge. Non, la bleue, ma Toupie Beyblade, c'est la plus forte. C'est qui? Oh, la dinguerie. La commande est arrivée, les amis. Sur cette chaîne Code Familia, on aime bien remplir le bon ventre. Mais j'ai une petite mauvaise nouvelle, il en fallait bien une. Viens t'asseoir. Mauvaise nouvelle, comment ça? Quoi la mauvaise nouvelle? Assis-toi, mon enfant. Alors les gars, je me suis dit, on va prendre les meilleurs tacos, chamas tacos. Mais du coup, dis-moi la mauvaise nouvelle. Fais-nous une ouverture Code Familia, s'il te plaît. Okay. Ok, les amis, nous avons un tacos. Une boisson, on est deux. Voilà la mauvaise nouvelle. On va se battre pour ce tacos Myriam et Yacine va lancer un défi. Celui qui réussit le défi, il prend le tacos. Yeah, c'est parti. Je vais leur poser une question, celui qui répond bien gagnera le tacos. Quel est le meilleur dessin animé de football? Myriam. Foot de rue. C'est gagné. C'est Olivier Tom. Non, c'est foot de rue. Un croc, je m'en fiche, fais ton croc. Dis bismillah et fais ton croc. Non, bah qu'est-ce que tu fais? Oh le vieux croc. Non, j'ai juste comment ça? Oh le vieux croc. Les abonnés tout à l'heure, ils ont bien dit c'est moi qui fais les meilleurs crocs. Je veux une deuxième question. Parce que regarde ça. Non, arrête. Touche pas ma tête. T'as vu? Là, je veux bien 2 millions d'abonnés. Il y aura 2 millions de claques. Touche pas ma tête, s'il te plaît. Citez-moi 3 Pokémon. Myriam. Pikachu, Salamèche et Dracaufeu. C'est gagné. Allez. Mais interroge-moi. C'est moi qui a payé. Je veux un taco. Il m'a mis une pression, Myriam. T'as 2 crocs pour la peine. Tu sais comment ça va finir cette histoire? Tu le sais bien. Vas-y, fais ton profit, ton croc tranquille. Allez, ça y est, donne. La fille. Donne, y'a pas de Yacine. Tu le sais bien. Je suis pas ta tête de cafard. Mon tacos! Les gars, ça finit sûr comme ça avec lui! Mais Myriam, tu t'en fous du tacos là, on va pouvoir jouer au meilleur jeu de notre enfance. Tu te rends pas compte? Ce jeu là, Myriam, quand j'étais petit, je rêvais d'en avoir un, mais j'en ai jamais eu parce que mes parents ils pouvaient pas m'en acheter. Du coup, moi je prends ça, on va faire un duel. Mais non, mais prends d'abord ça, débile! Ah oui. Tiens, ça c'est ton truc pour déclencher. Il va falloir choisir ça, sa toupie. Je prends celle-là. T'es sûr? Oui. Ok, bah moi je prends la bleue alors. Allez Myriam, allez, moi je prends Myriam, les gars, allez! Si je le bats, ça veut dire que j'ai remonté à cause. Ça doit être ça. Yacine, je compte sur toi pour la battre. Je me rappelle plus comment on joue. Attends, je crois qu'il faut faire comme ça. Yacine, t'es sérieux, tu sais plus jouer au Toupie Beyblade? Je me rappelle plus, Younes. Mais faut mettre là, voilà, comme ça. Mettez vos toupies et préparez-vous pour le combat. T'es prête? Okay. Je vais t'éclater. 3, 2, 1, hyper vitesse. Allez, ma toupie. Oh, je tourne autour.
La bénédiction, la bénédiction, tout ton moulin. Arrache-la. Pour l'instant, les amis, c'est ma pupille la meilleure. Oh là là. On va valser. Oh, je suis en train de l'éclater. Oh, la victoire. Let's go. Je suis en train de la massacrer. Tu vois comment je la hagarde. Oh là là. Tu vas prendre un toupie de nul. Mais logique, c'est pas celle-là. Bien joué, Pegasus. Ça, c'est ma Pegasus, ça, les gars. C'est ma Pegasus. Les gars, j'en ai marre. Je connais pas ce jeu. C'est pour ça que je voulais pas jouer parce que je suis trop nul. La famille, bien évidemment, on a 2 millions d'abonnés. Il faut toujours remercier Dieu parce que c'est Dieu qui accorde tout. Si t'as la santé, si t'as une famille, si t'as de l'argent, si t'as des abonnés, tout ce que tu veux, c'est Dieu qui t'accorde de tout, donc faut toujours le remercier. Et d'ailleurs, la famille, ça me fait penser à une vidéo qu'on a fait. C'est la meilleure vidéo de toute la chaîne YouTube qu'on a fait. C'est qu'on était à la Mecque, notre premier jour à la Mecque, qu'on a regardé la Kaaba pour la première fois, qu'on arrivait là-bas. C'était incroyable, c'était la meilleure des vidéos qu'on a fait. Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Là, on est à la Mecque, la meilleure ville du monde. Il y a la première mosquée musulmane qui a été construite à l'époque. Vous allez voir, là, on va aller voir comment elle est la mosquée. Elle est immense, elle est super grande. C'est la plus grande mosquée du monde. Là, c'est la mosquée de l'hôtel. Et la mosquée que je vous parle, la plus grande du monde, c'est celle-ci, Masjid al-Haram. Et la Kaaba, elle est juste derrière ces murs-là. On va aller dans cette porte-là-bas. Sachez qu'avant, il n'y avait pas de tapis comme ça. Avant, à l'époque du prophète Ali Sadsem, c'était de la terre. Il priait avec des sandales ou des claquettes. Il faut juste que les sandales ou les claquettes elles soient propres. Avant, à l'époque du prophète Ali Sadsem, c'était quoi? C'était les hommes devant et les femmes derrière. On se rapproche de la plus grande mosquée du monde. C'est vraiment magnifique avec l'horloge. Juste avant, on s'arrête à la fontaine. Zemzem. C'est la meilleure au monde. Bismillah, tu fais une invocation dans ta tête. On est à la mosquée Al-Haram. C'est vraiment immense. Hein. Regardez, ça va jusqu'à tout là-bas. La Kaaba est juste là. C'est vraiment magnifique. C'est rempli. Ne vous dites pas, ouais, moi, pour que j'aille là-bas, il faut que quand je reviens, je fais plus de péché, je sois quelqu'un de bien. Eh non, on fait tous des péchés, on va tous continuer d'en faire, malheureusement, que Dieu nous pardonne, on n'est pas des anges. Franchement, Myriam, je vous dis la vérité, les gars. Si je peux vous donner un conseil, et si vous m'aimez bien, vous me suivez, n'arrêtez pas la prière. C'est le plus important. Et dans votre prière, vous pouvez demander tout ce que vous voulez à Dieu. Si vous voulez avoir des abonnés sur YouTube, si vous voulez avoir des consoles de jeux, si vous voulez avoir tout ce que vous voulez, demandez-le à Dieu dans les prières. Faut jamais abandonner. C'est pas parce qu'on a 2 millions d'abonnés, par exemple, qu'on doit arrêter de prier, qu'on doit arrêter de pratiquer, qu'on doit dire ah bah ça y est, maintenant j'ai les 2 millions, ça y est, maintenant je n'ai plus besoin de prier ou de faire des trucs comme ça. Faut pas oublier qu'on est sur terre pour une épreuve, les familles, ça va durer qu'un temps. Ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de vivre, au contraire, hein, il faut vivre, il faut essayer d'avoir le maximum de bien, tout ce que vous voulez. Mais il faut toujours penser à l'au-delà, la famille, et c'est pour ça qu'il faut pas arrêter la prière. Faut bien se comporter avec ses parents, c'est super important. Ah, vous êtes là. Mais qu'est-ce que tu fais, le vieux de 50, ça c'est les vieux de 56 ans qui mettent ça. Il était bon, Matacos, il était bon, c'est ça. Un petit peu, mais regardez, c'est même pas mon portable, il est trop gros pour ça. Bah, c'est normal, ça c'est pour les pépés. C'est normal que ça fait que de tomber par là. Oh là là. Mon les gars, j'ai trop vu moi sur cette chaise. Ah là là. Moi je vais le mettre là comme ça, c'est pas grave. En fait, c'est juste pour que quand je cours, tu vois, mais ça va tomber. Mais c'est n'importe quoi ça. Il s'est farnaqué, Myriam. Bien fait pour lui, il avait pas qu'à manger mon tacos. Il avait pas qu'à manger mon tacos. Hey Younes et Myriam, venez. Est-ce que vous savez c'est quoi les meilleures vidéos de la Côte Familia? C'est quoi? C'est quand on allait jouer au foot dans le jardin, on faisait des 1v1 et tout. Mais qu'on fait rien. Vas-y, go, go, go. Let's go, yeah. Attends, mais mes crampons, ils sont où mes crampons? Je vais te les ramener, t'inquiète, vas-y, go. Il y a une balle, prenez la balle. C'était incroyable. Arrête toi, j'ai payé ça. Oh, c'était incroyable, les gars, les vidéos. Go. Je rigole, les gars. Les meilleures vidéos, c'est quand j'enfermais Myriam et Younes dehors et que je leur ouvrais pas dans le froid. Ils sont enfin en train de dormir. On va aller les réveiller en clown tueur. Merci à ma soeur de filmer. On va pas parler plus longtemps. C'est parti. Testez-vous là. Eh oh. Vous êtes enfermés dehors. C'était les meilleures vidéos, on rigolait de fou. Vous voulez rentrer? Alors fais une danse Fortnite. Je suis mort. Bon la famille, moi je vais vous laisser là, je vais les laisser enfermer dehors. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Nous on vous laisse là. Ciao. Même après la vidéo, ils sont encore dehors. Ils sont encore dehors après la vidéo, la famille. On leur ouvre. Arrête-toi. Mais c'est à cause de toi là, ta grosse tête. Eh hey, Myriam, regarde, je suis en maillot, il fait moins 4. On va prêter ton pull, on va le craquer non, en dos. Non, Viens là. Tu me donnes ton pull. Eh, hey, tu me touches, tu vas voir. Mais Yassine, non, mais arrête, regarde, il est en train de danser. Prête ton pull. Je suis en maillot.